Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors, je voulais par cette vidéo, tout premièrement, demander des excuses parce que je sais que j'ai été beaucoup silencieux, j'ai été beaucoup absent, en tout cas, pas comme d'habitude. D'habitude, je suis beaucoup présent sur les réseaux sociaux, par mon inbox de TikTok. Je réponds à certains messages, mais vous avez constaté que j'étais quand même beaucoup absent. Et même ceux qui contactaient le cabinet, c'était à peine si on arrivait à converser. C'était parce que j'avais beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Et je voulais par la même occasion rappeler que ceux qui veulent contacter le cabinet devrait le faire de manière normale. Je vous dis, vous passez toujours par WhatsApp. Lorsque vous écrivez à WhatsApp, n'appelez pas directement, parce que vous ne savez pas ce que je suis en train de faire pour appeler directement. Il est mieux vous présenter, vous envoyer en audio ou bien vous faites un message écrit. Une fois qu'on est disponible, on va vous répondre. Alors, et je rappelle encore que si vous prenez le numéro, ce n'est pas pour venir converser, pour venir passer des heures à poser des questions. Ici, il s'agit d'un cabinet privé. Lorsque vous prenez le numéro, c'est que vous vous attendez à ce qu'on vous dise, vous allez payer les frais de consultation. Si vous venez pour une consultation, pour discuter, pour expliquer votre souci, pour vouloir plus d'informations, c'est la consultation. Si vous voulez un coaching, vous avez déjà pris votre rendez-vous et vous voulez qu'on vous accompagne avec des conseils, avec des questions, qu'on vous entraîne. Ça, c'est le coaching. Maintenant, si vous voulez qu'on vous remplisse les documents et autres, c'est aussi un autre processus. Donc, ne soyez pas étonné lorsque vous venez en inbox, vous écrivez sur WhatsApp, vous êtes là, vous racontez votre histoire, on n'arrive pas à vous répondre. On a commencé à vous répondre, mais vous ne faites que continuer pendant des heures et des heures alors que il y a des personnes qui payent pour leur consultation privée et qui se font aider. Pendant que vous vous attendez qu'on vous réponde après 2 heures, il y a des gens qui ont déjà leur réponse parce que c'est un cabinet privé. Donc, ce n'est pas que je vous snob, ce n'est pas du snobisme. Non, mais c'est juste que vous êtes censé respecter aussi le travail de l'autre. C'est un cabinet privé. Si vous arrivez, vous avez besoin des services du cabinet, ça c'est quelque chose. Il faut forcément payer les frais. Maintenant, si c'est pour qu'on réponde à quelques questions en inbox, là je vais toujours, comme je le fais d'habitude, je viens dans mon inbox TikTok, Instagram ou bien Messenger, je réponds aux quelques messages que je trouve. Et je rappelle aussi par la même occasion que cela ne sert à rien de venir dans mon inbox, de mettre salut. Vous avez très peu de temps pour parler avec moi. Mais imaginez que en commençant, vous mettez déjà salut. Vous vous attendez à ce que je dise quoi? Alors que c'est difficile qu'on tombe sur un de vos messages. Il y a des personnes, des milliers de personnes qui écrivent. On ne tombe pas sur leur message parce qu'il y a tellement de messages. Mais si on arrive déjà à ouvrir le vôtre, faudrait qu'on trouve déjà votre souci, votre préoccupation et voir si soit on peut vous aider, soit on ne peut pas vous aider. Mais lorsque vous mettez salut et que moi je tombe sur le salut, je ne sais pas ce que vous me demandez exactement. Pour revenir sur mon inbox, ça va prendre du temps parce qu'il y a plusieurs applications. Il y a Facebook qui est là, il y a Messenger, il y a TikTok, il y a Instagram. Donc, je ne peux pas passer 20 minutes ou 1 heure rien que dans une seule application. Je serai obligé de changer pour aller voir s'il y a d'autres messages ailleurs, pour aller voir s'il y a des consultations privées sur WhatsApp. Pour ceux qui veulent des consultations privées, vous appelez, vous contactez vous nous contactez sur WhatsApp au plus 1 813 407 63 56. Plus 1 813 407 63 56. Ça, c'est le numéro privé. Lorsque vous prenez ce numéro et que vous venez m'écrire sur WhatsApp, je me dis que vous êtes déjà au courant qu'il y a des frais.
à payer pour la consultation privée, parce que vous avez pris le numéro privé. Ne soyez pas, ne venez pas sur WhatsApp et être étonné quand vous dise « Non, est-ce que vous avez pris rendez-vous ?» Lorsque vous prenez ce numéro, c'est pour prendre rendez-vous pour discuter en inbox. That's it. Ce n'est pas pour venir parler de votre histoire et ensuite partir. Alors qu'il y a des personnes qui payent pour leur consultation privée, donc je ne peux pas consulter certains avec des frais, et à d'autres, je fais ça gratuitement. Donc, essayez de comprendre. C'est le temps de quelqu'un. Ici, c'est le temps. Je n'ai même pas d'abord le temps pour moi-même. Combien de fois accorder à chacun d'entre vous une heure, vous êtes des milliers à écrire. Donc, c'est cela.